Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Et nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans le pays Venezuela, manifestation anti-gouvernementale violente continue environ 48 heures après l'élection présidentielle qui bat le président Nicolas Maduro vainqueur sous Edmundo González. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître les menées offensives aériennes et l'autre type opération côté li attaquer plusieurs cibles Hezbollah dans sept zones dans le sud Liban. Et puis dans le pays d'Haïti, nouveau développement avec débat juridique et politique devant scandale corruption qui touchait trois membres du conseil présidentiel transition. Et puis Jeux Olympiques Paris, dans le pays de la France, a continué en bas en pile chaleur et trois athlètes haïtiens déjà éliminés. C'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans yon petit moment dans pays d'Haïti gen police nationale là qui bayon bilan sous état d'urgence sécurité a nous gen sous place Steven Aristide n'a gen pour rétablir contact avec pita nan programme nan. Mais gros point dans actualité internationale là c'est opposition dans pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans élection qui s'est passé là yo dimanche qui s'est passé là. Nous avons Jean-Aubert Philippe qui a suivi de très près pour nous dossier ça. Jean-Aubert Philippe, grand pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis à la clé, en pile réaction, et surtout, excepté Moscou qui lui-même table d'accord avec le résultat de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous, et, on mourit pour Vipiti, il y a plusieurs centaines d'autres monde que la police a arrêté, il y a 48 monde parmi forces de l'ordre de Turquie, ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même lui dit, lui demande des supporters palio, puis il descend sous béton pour prier à contrecarrer manifestation qu'a fait contre le gouvernement. Population en Venezuela a organisé concert casual dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec résultat élection qui bat le président Nicolas Maduro yon l'autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix alors que l'opposition lui-même qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro qui lui-même t'a ramassé entre 14 à 31% voix. Ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays. Je vole non mais nous, à cause du président Maduro, commet génocide dans le pays. Nous devons goûter pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estime que 187 manifestations dans 20 États pays. Résident dans le quartier, un quartier dans la capitale, Caracas, qui est une base chavistas et qui en faveur du gouvernement manifesté contre les résultats de l'élection. Manifestant ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement, nous fatigués avec le gouvernement ça, nous voulons changement, nous voulons libre dans Venezuela, nous voulons famine, retourner ici là, nous ne voulons pas quitter le pays encore. Dans le capital d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère, déchouqués une statue de fin président Hugo Chavez, après institution électorale là, fin proclamé président Maduro remporter l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué la garde nationale, lagué les soldats à terre, battu quelques coups de bâton et puis saisi les motocyclettes avec les bicyclettes. Ta pellicule, la connaissons. Dans un message télévisé, président Elian Nicolas Maduro mettait devant le peuple là, depuis le palais national Miraforest là, et bien il dit, le gouvernement connaît façon pour gérer la protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout le pays et il connaît qui vient pour combattre la violence. Le président Elian a déclaré que c'est un groupe extrême droite qui a chauffé tête manifestant contre le pouvoir. Communauté internationale a exprimé inquiétude li après publication résultat yo. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour électeur yo pendant li exprimé doute sur résultat. C'est même situation nous joignent pour gouvernement étranger tant qu'au Argentine, Mexique, Guatemala, République Dominicaine, Chili. Porte-parole secrétaire général des Nations Unies Stéphane Dujarric déclaré secrétaire général là que toute décision yo ta doit déboucher sur solution pacifique pendant li lancer appel à tout leader politique avec support yo pour yo mettre dans le divin yo et puis éviter craser briser pendant li prend note sur qu'est sauter leader politique avec
communauté internationale la gagne après publication résultat. Département élection dans l'organisation État américain qui va organiser une session extraordinaire mercredi 31 juillet a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître résultat élection qui dit c'est président Nicolas Maduro qui vainquait élection dimanche là. Président Maduro a déclaré hier lundi que le système électoral Venezuela transparent qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet, nous remarquons l'opposition n'a pas voulu accepter la défaite. Li. Mais nous croyons que l'opposition a dû complimenter le vainqueur élection dimanche. Jovenel Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection sérieuse et lui bat bravo pour victoire. Ça t'a considéré comme victoire. Nicolas Maduro dans l'élection qui se passe là dans le pays Venezuela. Oui, dans tout ça, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro, qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024, là, réélu pour un troisième mandat consécutif. Dans tête pays Amérique latine, ça, Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique racine camp peuple là, attribue victoire ça à tout peuple capgoumen contre salrilé impérialiste. Nous saluer extraordinaire victoire ça dans des conditions extrêmement difficiles, pour nous saluer courage peuple vénézuélien qui malgré tout ça que fait pour saboter processus socialiste là, yo pas réussi craser. Et nous certains que pas réussi à craser, et nous pensons que victoire ça que peuple vénézuélien remporté face à l'impérialisme américain, c'est une victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais opposition a contesté résultat élection ça yo. Conseil national électoral CNE déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo à 51.2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui, et puis 44,2%, soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. Edmundo González Ulitia, opposition, dit, il y a une preuve que Nicolas Maduro perdu l'élection. Professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection, ça a des élections frauduleuses. Et c'est offensive ça qu'on a passé aujourd'hui, hein, côté que ils ont utilisé tout un ensemble de médias, tout un ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout un ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, pour être capable d'essayer de délégitimer l'élection. Ils ont fait ça déjà. En 2018, l'élection présidentielle qui était portée Maduro au pouvoir, qui était renouvelé mandat Maduro en 2018, ils ont déjà fait ça, ok? Malgré le fait que tu as gagné plusieurs centaines, parce que, par exemple, ça a été près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente, qui confirmait que c'est des élections propres, des élections qui faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit, système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde. Là. Les 104 reconnaissent ça. Ils souhaitaient n'importe journaliste à enquêter sur ça. Où est notre Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale là, et tant que Jean-Robert Philippe Sodil, dans plusieurs pays, les candidats pour côté, eh ben, yo a posé question, y a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection ça pour l'aller, joignons l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne fait connaître, eh ben, lui-même, offensive aérienne. Mais d'abord, nous prenons dans l'actualité électorale là, ici, aux États-Unis, côté liste non moun qui candidat pour Tavine et candidat pour vice-président Kamala Harris là, eh ben, l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon lis qui gen la dan yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Ocelui. Lis candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis, te vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord, Roy Cooper, et gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, qui yon tous deux soutien dans lis là. C'est une décision qui gagne gros enjeu depuis que vice-président Kamala Harris a eu plus de chance pour lui joindre une nomination officielle Parti démocrate là pour l'élection novembre. Depuis tout que gagne une crasse plus passé une semaine de ça, que président Joe Biden lui-même a retiré col dans la course pour Maison Blanche. Candidat pour vice-président, qu'a-t-il dans la course électorale là pour balancer ticket candidat pour président?
selon façon que yo ka fait appel à yon électorat qui pillage. C'est comme ça dans moment que Kamala Harris a réfléchi sur une liste candidat qui surtout gen la donne garçon blanc. Roy Cooper te retiré tête li dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris là. Il te dit dans une déclaration hier lundi, n'a cité, moi t'ai honoré que t'ai considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour État Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, à beaucoup te parle, gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, te dit dans l'émission CBS Mornings que le pas fait partie d'un processus choix pour t'accompagner candidat Kamala Harris dans la course électorale. Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne dans le week-end ça. Et puis il te fait conversation privée avec plusieurs candidats, tant que gouverneur Pennsylvania, Josh Shapiro, d'après sous qui habitué à Capel ça. Gen l'autre monde qui a considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué, gouverneur État Kentucky, Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans l'État Arizona, gouverneur État Minnesota, Tim Walz, et secrétaire transport public là, Pete Buttigieg. Candidat sa yo te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays a puis yo montrer ça que yo ka porter dans campagne là. Secrétaire transport public là Pete Buttigieg considéré même dans parmi alliés yo comme un monde qui ta ka gen plus chance. Il te parlé avec Kamala Harris en privé sur opportunité ça. D'après des sources qui habituées à l'événement ça. Secrétaire transport public là te fait tout un appel à un groupe donateur qui t'ai supporté dans présidentiel 2020. Côté que le dit que li intéressé pour ta vice-président mais tout que le pral respecter processus choix. Selon ça que source information ont dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, 2024 sont années électorales ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit, nous allons en région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne, fait qu'on est que l'immené offensive sous zone qui gagne Hezbollah la donne, surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gagne détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud, ville Beyrouth, capitale Liban, m'a dit, ciblée sale opération groupe militant Hezbollah, d'après ça, trois responsables replacés, agence sécurité pays Liban, dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là, t'es ciblée Moussine Shouker, que nous connaissons comme Fouad Shouker. États-Unis t'a imposé sanctions contre Fouad Shouker dans l'année 2015. Israël accusé monsieur d'être que les responsables pour une attaque à missile contre Mon Golanyo qui touillait 12 timoun et teenagers. Gain deux sous sécurité libanais qui dit Reuters monsieur survive attaque là. Agence nouvelle Reuters cité une source sécurité qui dit gagner une dame qui mourit et puis sept autres blessés dans attaque là. Pendant ce temps, États-Unis dit qu'il va continuer poursuivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller Pipis. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste yo, solution diplomatique là ta permettre civils israéliens et libanais yo tourner la caillou et puis vivre dans la paix et sécurité. Ou l'autre côté, la Russie déclarait attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité en pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, n'a permettre de pays Washington DC, tant que nous t'ai annoncé, nous parlons dans l'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, gagné police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, il y a un bilan sous état d'urgence sécuritaire. Nous, on gagne sous place, et correspondant nous, Steven Aristil, et Steven, ça qui sorti dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belizer, bonsoir Jean-Marc Hervé Adela. Et au lieu de en conférence, c'est un point de presse lié parce que, DGPNH là, nos mille rameaux, pas en question, les juste fin bail salgué pour le bail comme bilan, yo, et puis l'y aller. On nous essaye d'aller pour nous capables d'attirer l'attention tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important, dans ça, DGPNH là, nos mille rameaux, t'es dit aujourd'hui. Il fait un bilan sorti 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Artibonite, il y a 104 bandits qui stoppés, et dans quoi des missions, il y a 27 bandits, quoi des missions qui se yon dans la commune, et yon dans la zone dans la commune, quoi des bouquets. Il y a 27 bandits qui sont stoppés. Dans le tabac, il y a un Uzi, deux fusils 12, 18 caisses et cocktail Molotov. Et ils ont saisi
Il y a un autre bord pour dans le département Artibonite. Il fait qu'on est la police a arrêté 49 personnes. Parmi eux, il y a 4 nan qui sont pour drogue avec armes illégales. Et dans la même intervention, ça, il fait qu'on est que la police a arrêté environ 65 personnes dans le département Artibonite. Il y a plusieurs nan qui sont transférés par la justice. PNH l'a saisi 19 armes. Dans le département Artibonite, il y a 7 machines confisquées, 5 évadés de prison récupérés. C'est ça nous capable de dire en gros. Et puis, il était passé sous dossier hier à ce qui passait dans l'hôpital général. Nous capable de dire en théorie Saint-Honoré avec Monseigneur Guillou. Il fait qu'on est, ce qui était passé hier, pas aucun rapport ensemble avec attaque gang. Et il fait qu'on est, situation sous contrôle, la police avec les policiers Kenyao. Yon l'autre bord, dans même point de vue ça, li et mande population toujours sous des mariages population avec les police là qui commence bay résultat. Et ce bilan ça, li bay jodia dans point de vue dans DGPNH. Merci Steven Aristil. Steven Aristil était sous place dans occasion point de vue ça que DGPNH la bay sous état d'urgence sécuritaire. Et concernant incident qui arrivait hier pendant que le Premier ministre Gary Cohn était dans l'hôpital général, on a bien pour nous retourner sur lui. Mais nous prenons un gros dossier qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est dossier corruption ça. Côté conseil présidentiel a annoncé que gagne une enquête qui l'ouvre pour capable faire lumière sur scandale corruption ça qui touchait 3 membres dans conseil présidentiel transition. Nous gagne sous place Yves Manuel. Pendant que tu prends la parole dans la 47e session chef l'État à gouvernement pays CARICOM, le président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, abordé question corruption dans BNC qui impliquait 3 membres dans CPT. Monsieur Leblanc soulignait gon enquête qui l'ouvrit dans ce sens pour capable faire lumière sur scandale. Président conseil présidentiel transition, de l'autre côté, mette fin à toute critique qui a joigné comme quoi l'État ignoré scandale corruption ça, président BNCA dénoncé et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Pendant temps ça, youn nan conseil Neo Smith Augustin, pendant la sortie dans pays la France, voyait jeter allégation ça yo comme quoi lui-même ak de l'autre conseiller présidentiel t'a exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver le poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine nan dit pas rien pour louer ak dossier ça et mandé preuve. Moi-même pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question tout ça. Mais qui je dis, monsieur Guy, et la répondre pour que les gens qui accusent nous, nous-mêmes, nous portons preuve, et si on va porter preuve, on a pris des mesures que la loi, une fois pour ça. Toujours dans le cadre dossier, hein? Président conseil administration Banque Nationale Crédit Raoul Pierre-Louis qui te doit répondre question enquêteur ULCCO Jonay Madian mandé un report li expliquer li pa ka répondre question enquêteur ULCCO Jean ça te prévoit il mandé dans sens ça yon délai yon semaine pour le capable préparer demande ça fini dans un moment côté dossier suscité en pile réaction tant bon côté médias sociaux yo que médias traditionnels. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et toujours sur le même dossier, nous allons rejoindre Massia Deauville, mais qui lui-même gagne l'autre développement, toujours concernant scandale, corruption, ça, dans le Conseil présidentiel transition. Dans quatre dossiers, ça, qui opposait président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, avec 3 membres du Conseil présidentiel transition. Avocat qui a défendu le conseiller président Emmanuel Vettiler, M. Anel Rémy, dit pas qu'il n'y a aucune décision juridique qui est capable de prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que vous n'êtes pas un agent de la fonction publique, ou car vous êtes un agent, ou car vous êtes un agent, mais vous même aussi des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, seul soit qu'à faire, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la haute cour de justice. Je ne dis pas je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais article 4, décret pour la création du CPT, et Machado Anadadadan, le dit les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président élu. C'est-à-dire que même si je retraite un président élu, je pense à traiter le conseiller présidentiel. Même l'homme parle d'un décret, le conseiller présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Pas le problème encore.
ni pas conforme à l'article 57 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis qui était prévu pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là devant enquêteur ULCCO reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA M. Sonès Saint-Louis qui écrit directeur général ULCCA Hans Joseph pour demander le renvoyer audience là à cause de pas disponible pour accompagner client lien. Coalition nationale s'y a été accord 11 septembre avec 21 décembre qui pote tout si pour yo bay représentant strict si ça, conseiller président Louis Girard Gilles qui gagnon cité dans scandale corruption ça, dit parti civil la pas gain argument pour prouver accusation lio. Nous va égaler, nous va imbécile. À toi de déjeuner agile, car les camarades sales, d'abord des 5 millions de gouttes, voyez ça, nous t'attendons. Plusieurs juristes qui réagissent sous dossier ça, fait qu'on est, c'est celle de décision administrative qui est capable de prendre contre 3 membres du conseil présidentiel transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour VOA Creole. Merci Massia Dovinme, tant que l'on te dit là pour retourner sur l'incident qui arrivait dans zone l'hôpital général dans le moment que le premier ministre Guy Conny était en dedans. Nous pourrons rejoindre Steven Aristil qui gagne détail. Aïe lundi 29 juillet 2024 là, premier ministre Guy Conny était gagné avec lui DGPN acheté à Nomil Rameau à commandant force multinationale support et sécurité à Godfrey Hunting. Pendant l'état fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant visite si là, premier ministre Guy Conny était accompagné avec quelques journalistes CNN qui étaient venus couvrir activité si là. Dans une autre équipe communication mission support et sécurité à Météo, il fait qu'on est dans fin interview premier ministre là, il était entendu quelques détonations. Agent sécurité était obligé de tirer pour capable faire couvrir les ministres là sorti. Dans même note là, équipe communication MSS l'a fait qu'on est. Peut arriver localiser côté Bibal était sorti et était pacifié zone là. Il continue pour dire l'hôpital général toujours sous contrôle la police à contingent mission support et sécurité. Toujours dans même communiqué là, il fait qu'on est pas gain aucun mort ni blessé qui enregistré ni bon côté PNH ni bon côté mission support et sécurité. Après événement là, nous on t'ai contacté mon équipe communication mission support et sécurité a pour demander qui l'a gagné l'autre contingent privé. Yo fait nous connait, y a préparé pour capable recevoir nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais yo pas en mesure pour communiquer aucune date ça a fait. Steven Aristil pour VOA Creole depuis Port-au-Prince Haïti. N'après toujours dans pays d'Haïti côté autorité dans pays la Jamaïque voyait tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'ap tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque. C'est Gadkot Okai qui te recevoir et compatriotes sa yo. Yon reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okai dans le département sud pays. Autorité jamaïcaine yo retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'ap tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. C'est Gadkot nan Okai qui te recevoir 35 compatriotes sa yo sou wa Okai. Kek nan depote yo te bay raison que te pousse yo ki te pays ya nan condition sa. Quand ta que à cause de situation pas de bon. Il faut on comprend ça. Et papa, tout comme vous d'âge, moi, aussi que tu as aidé nous dans la faculté. Juste nous, je nous en côté pour faire des groupes, nous choisir. Tout est payé en amont de côté. Ok. Mais pour nous, on va prendre un volant? Je vais reprendre. On va prendre une attaque. C'est ma première action. N'ap signalé, c'est pas la première fois Gadkot nan Okai recevoir haïtien autorité jamaïque yo déporté en Haïti qui t'a tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque. Compatriote haïtien sa yo qui sorti nan Ansdeno département Grand-Anse pas écarté possibilité pour reprendre la mer si situation yo pas changé. Jean-Ernst Eliscar VOA Creole Okai.
Merci Jean-Ernst Eliska, ou toujours sous VOA Créole. On observe un programme dans langue créole haïtienne et gros événement dans la question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris, dans pays la France son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui s'est passé là. En bas, gros la pluie et avec tout sabotage qui te gagne la donne. Mais je vais continuer, médaille a tombé, bien que et haïtien ou pas vraiment fait belle figure. On a l'oise la pibre. Quatrième journée, Jeux Olympiques Paris ont déroulé jeudi en bas, en pile chaleur après que la pluie te marqué cérémonie ouverture là. Quelques résultats dans football dans groupe BA, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans groupe CA Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a doué qualifié pour quart de finale. Et puis pour Haïti, trois athlètes haïtiens déjà éliminés. Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, son total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, son total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, son total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même genre à Corée du Sud tout, qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze. Donc, il est en sixième position. Donc, Jeux Olympiques, ça y est, qui commençait 26 juillet, qui se passait là, a fini le 11 août. Il a gagné 329 compétitions. Jeudi, qui 30 juillet, a gagné 22 compétitions qui n'ont pas programme. Et puis, dans la question classement et médaille, c'est, yo parti à partir de médailles d'or. C'est ça qui fait qu'on paye tant qu'aux États-Unis, qui gagne 20 médailles, qui gagne, mesdames, noyaux. C'est comme ça, match dans l'occasion Journée internationale Femmes Noires, Amérique latine et Caraïbes était commencé dans le São Paulo. Il était environ plusieurs milliers qui étaient prêts à la rue pour dénoncer négligence d'État, discrimination sociale, raciale, exact violence, Femmes Noires et Wapsibi au Brésil. D'après Mesdames, match ça, c'est une façon pour faire autorité autant des voyous, exiger respect royaux. Quelques parmi eux, t'es parlé dans le micro, VOA créole. L'exclusion sociale là dans le Brésil, les gens races, les gens, mais c'est nous-mêmes femmes noyaux qui sont les principales victimes d'inégalité dans le Brésil. À ce moment-là, nous allons marcher, nous allons continuer à résister pour bâtir une bonne vie pour les peuples noirs, pour les petites noirs et les frères noirs. Match ça, c'est un moment pour nous reconnecter, c'est un moment pour nous parler sur qui société nous voulons. La fin marqué, c'était l'occasion pour demander pour femmes qui doivent avorter sans qu'elles sautent au Brésil. Je suis Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste et c'est avec reportage Chesleya depuis Brésil que n'a mette fin dans programme n'a pas oublié que nous gain Jeux Olympiques que n'a suivre nous avec équipe américaine basketball live avec monsieur font démonstrations on va tête chargée avec monsieur LeBron James en tête et tout l'autre monsieur yo Steve Kerr et l'autre yo et ben c'est un gros bagaille et négoté déjà dit que on va courir avec compétition ça et nous t'es quand même ouais et vice-président PIA quand la Harris qui t'a visité monsieur en vainoté déplacé. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous remercions Franklin qui était avec nous. Je connais Chang Wang qui était avec nous. Bons amis pays d'Haïti. Et puis Jean-Marc Hervé Abela qui sont bons amis pays d'Haïti. Tout. Non, monsieur, c'est Haïti natif natal. Merci pour attention. Nous, merci pour fidélité. Nous, moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je vais casser rendez-vous avec nous et pour deux. Mais pas oublier que nous, dans toute plateforme, nous, vous allez consulter pour capable de gagner dernières nouvelles qui tombent. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.
Continue à parler, non. On continue à analyser ça comme information et comme point dans le pays. Parce que je veux que chaque monde comprenne et chaque monde garde dans quel niveau que vous-même, vous êtes capable de porter ça dans les et contribuer sur Bayouan. Jouer parti sur Bayouan. Dans notre Haïti. Hein. Tout le monde connaît déjà ça qui est arrivé lundi 29 juillet 2024 dans la zone. L'hôpital général Monseigneur Guillou, toute zone en bas de la ville, presque rue du centre, rue du enterrement, Joseph Janvier, Oswald Durand, pardon, et Richard Héron. Donc on est déjà et imagio public, vidéo virale sur les réseaux sociaux, qui donc, m'a besoin pral et moi pral rappeler, nous pral dit nous, mais comment situation les mêmes litéye, mais ça arrivé, non, ça nous connaît déjà. Mais qu'on y a un ongade, après ça arrivé, hein, c'est qui ça t'a doué poser comme action? Après ça arrivé, hein, est-ce qu'il y a encore prouvé que pays ça, qui est les Haïti nous, li vraiment tourné un véritable guerre? Comme si c'est guerre. Et ça qui triste dans tout ça m'a dit là. Et parce que guerre ça n'a pas les hein. C'est une guerre entre haïtiens qui mangent haïtiens. Haïtiens qui tuent haïtiens. Parce que tout le monde connaît. Guerre une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Guerre une guerre entre Israël et anti-militaire Massio. Mais Haïti qui est au cas qui en guerre? Ou pas qu'à dire Haïti en guerre avec ses domaines. Ou pas qu'à dire Haïti en guerre avec le pays dans le Caraïbe. Ou pas dire c'est même Haïti encore. Des jeunes garçons, jeunes femmes, qui étaient capables d'utiliser le pays pour rendre le pays d'Haïti un pays qui est vivable, un pays qui est en voie de développement. Retirer Haïti dans le niveau sous-développé. Mettez dans niveau développé et route développement. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, au lieu que c'est ta route ça, au lieu que ta chemin ça, ok? Au lieu que ta route ça, et ta chemin ça, qui prend pour l'autre Haïti, nous est plutôt c'est. C'est route destruction, c'est route effondrement que Haïti la donne, je ne vous dis. Parce que nous sommes pas qui complètement effondré. Haïti, son pays qui complètement effondré. Oui. Haïti complètement effondré. C'est Fondi Bagay la clé. Parce que pas gagné un crété là pour mon bralzim, comme si, bien que moi avec désir venesse, nous toujours montrer que, à parler de l'autre Haïti, à montrer que l'autre Haïti est le possible, à montrer que l'autre Haïti est le réel. Mais, si ça m'a gardé là, yo. Ok? Si c'est ça qui est arrivé, je n'étais lundi 29 juillet. Ok? Lundi 29 juillet à côté, coup de balle fait Mikalao, officier kenyan, policier haïtien, bandit criminel vivant ensemble. Yo t'a fait bal chanter nan niveau Saint-Ville Port-au-Prince. Nan moment que PM Gary Kouni lui-même, il était décidé à répondre question journaliste au journaliste CNN. OK. Nan espace l'hôpital général. Et voilà que c'est nan moment journaliste là lui-même
li nan niveau l'hôpital général et coup de balle tombé chanti. Kounya m'aptan la presse dans pays Kenya m'aptan autorité kenyan yo qui récemment tap chanté katamwa pour dire que oh et officier kenyan yo nan te kol avec la police yo mené gros opération yo rivé pour contrôle puis que l'hôpital payant yo mené de gros opération yo rivé pour contrôle APN. C'est quatre à moi, je suis metté, je suis ramassé. Que la presse d'un pays Kenya t'a fait. Ok? Alors que, ça que nous-mêmes comme Haïtiens et comme journalistes Haïtiens, et différents secteurs en notre pays vivent. Li clairement montré que réalité que n'a connait n'a vivre là nous en Haïti. Li différent de ça la presse kenyane a parlé à lui-même. Parce que la presse dans pays Kenya du bagaille. OK. La presse n'a pas qu'elle n'a pas de bagay. Et nous-mêmes comme haïtiens, oh oui. Nous-mêmes comme haïtiens, n'a dit n'a vu la réalité. OK. Est-ce que vous comprenez? OK. Que le ça la presse en pays Kenya dit hein avec ça qui a passé Haïti hein. Lycée deux bagages différents. Est-ce que vous comprenez? Et je dis à m'a demandé OK. Je dis à moi que est-ce que vous comprenez vraiment? Moi comprendre vraiment. Après ça arrivé. OK? Que autorité yo il t'a dû une réponse rapide, bah vrai. Et je crois que tout le monde a pris un bagage comme ça. Et c'est vrai. Bien que nous avons dit tout, professionnellement tout, ok? Professionnellement tout, nous pas capoter bouer comme ça. Professionnellement que policier ça oyan yo pas capoter bouer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais kounya à chaque fois que situation présentée comme ça. OK? À chaque fois, OK? Yeah. À chaque fois que situation Jean que le présentait, c'est comme ça que le paraît. Li mérité pour nous questionner, li mérité pour nous garder et analyser ensemble ça présenté comme problème yo et ça qui existait comme problème yo
Est-ce que vous comprenez? Gardez ensemble, questionnez-vous et voyez comment que il y a des solutions, il y a des réponses qui sont capables de bailler ensemble avec vous. Est-ce que vous comprenez? Il y a des solutions pour des réponses qui baillent ensemble avec vous parce que j'ai que situation lui-même présenté là. Si nous décidons de têter langue, si nous décidons de griller dents avec bandits armés, avec criminels nous trois, vous avez quoi arriver? Qui déjà commencé à arriver? C'est vraiment la perdu Haïti. Vous comprenez? La perdu Haïti, qui déjà commence, qui déjà a perdu sous pour le perdu? Qui déjà sous pour le perdu? Mais au moins, avec si là ou qui là, yo, nous t'a qu'à dit ta gros espoir. Nous t'a qu'à dit que après Ariel fin passé. Yeah. Après Ariel fin passé. OK. Après Ariel fin passé. Que en pile moun qui était dit bon Ariel Henry libéral garder ça le café Ariel fait 32 mois 33 mois en pas réglé plus espace pédi grand goût misère calamité augmenté plus vingé plus souffrance vingé plus problème en dans pays. Est-ce que vous comprenez? Et je dis ensemble que nous comprenons. Je dis ensemble que nous gardons. Et questionner en même temps tout. C'est garder dimension problème que Haïti a confronté là. Yeah. Garder ensemble problème que Haïti a connu, Haïti a vivre là. Et problèmes divers. Yeah. Problèmes divers. Mm-hmm. Problèmes divers. Qui donc, je dis ainsi que nous arrivons dans la situation ça. Si que nous arrivons dans le niveau ça, mais classe politique traditionnelle, oligarque corrompu, ok? Classe politique traditionnelle, oligarque corrompu, ils ont tout metté ensemble pour mettre Haïti dans sa lila. Ils ont tout metté ensemble pour rendre Haïti invivable. Rendre Haïti invivable. Empêcher que pays ça lui-même ni progresser. Parce que yo même yo gen l'autre côté pour aller. Parce que regardez jusqu'à présent. Ou pa wè conseiller Leslie Voltaire malade, li kouri ki ta laisser Domingue nan pran soin. Hein? Conseiller Leslie Voltaire malade, oui. Li ta kouri al pran soin rapide. Saint-Domingue. Alors que gen l'hôpital général, on va parler de espace côté négotal visité lundi en Kebadbal pété non, mais regardez bat local nouveau local l'hôpital général qui a reconstruit depuis après 12 janvier 2010. Jusqu'à présent regardez local bâtiment ça, l'hôpital général. N'est-ce pas jamais comme si fait des efforts pour t'a fini avec construction net mettez tout ça qui a de croix dedans
et pour ta permettre que l'hôpital général qui c'est pico centre hospitalier pays hein, et qui c'est pico centre hospitalier qui trouvé dans capitale haïtienne hein, OK, pour que l'état fonctionné, OK, pour l'état fonctionné, Olé, n'est-ce que tu as fait ça? OK? Je dis, hein? OK? Je dis, hein? Je dis à moi, dites-moi que côté volonté hein, pour ne qui arrivé résoudre sa guerre. OK? Côté volonté a vraiment pour ne qui arrivé résoudre question ça. OK. Je dis là. N'a dit que moi-même, les messieurs garder analyser et questionner m'a dit. M'a pas un prophète malheur. M'a pas annoncé mal. Au côté si m'a pas annoncé sur Haïti, m'a prophétisé ça qui est positif sur Haïti. Si m'ta prophétisé sous Haïti, moi t'a prophétisé, m'ta dégagé de énergie positive sur Haïti. Yeah. M'ta dégagé de énergie positive sur Haïti. Parce que m'vle on l'autre Haïti. Moi vle on l'autre Haïti. Moi pour on l'autre Haïti. Moi pour changement Haïti. OK? Moi vle on l'autre Haïti. Moi pour changement Haïti. Moi vle wè un lot Haïti. Si je dis, moi même t'a prononcé m sou Haïti. Mais malheureusement, tout ça que m'ta vle pour Haïti yo, tout ça que m'ta souhaité pour Haïti yo, bien que moi même, moi pose action pam, non dis moi est-ce que m'a joué partition pam nan. Ma pote contribution pam nan. Malheureusement, elle pas suffi. Il pas suffi, non? Parce que problème yon pile. Yeah. Problème yon pile. Et li plus que ça nous est là. Li plus que ça n'a gardé là. Et c'est ça que problème nan. Parce que ça n'a pas vivre là, ça n'a pas gardé, ça n'a pas enduré là. Comme si ou dit, hey, est-ce que, ok, est-ce que n'a pas sorti la donne? Et qui l'est n'a pas sorti la donne? Qui l'est, qui joue, qui moment n'a pas sorti la donne. Vous comprenez? Je dis, hein, bon, c'est que chaque secteur, moi, je crois que chaque acteur, ensemble, on garde qui Jean, oui, mes amis. On garde qui Jean pour nous porter salaire les contributions pour nous jouer partie sur panneau. OK?
je dis un les que m'ont gardé après ça fini lundi 29 juillet, la police, autorité, force de l'audio, vous êtes doué prendre des dispositions, mes amis. Vous êtes doué agir rapidement, oui. Agir. Agir pour permettre que. Yeah. Agir. Et doué agir pour permettre que. Pour permettre que. Yo, by réponse avec sa guerre. Avec sa rivière le 29 juillet. C'est là, pas de parole, n'est pas de faire comprendre. Vous comprenez? Pas de petit parole, parole, anesthésie, petit bail, n'est pas de venir là. Non. N'est pas de venir bon petit discours, parole, anesthésie, non, frère. Non, mon cher. N'est pas venu bam petit discours pour l'anesthésie. Parce que là, réalité a dévangé tout le monde. Vérité a dévangé tout le monde. Que c'est une situation, messieurs dames qui l'a yo, ok? Son situation, messieurs dames qui l'a yo, que yo poko capable de répondre avec. Ça le clair. Ça le clair, mais ça clair pour tout le monde. Ça qui là yo situation gen là ça qui a passé là que jusqu'à présent m'a dit équipe ça qui là on dit conseiller présidentiel conseiller président yo OK conseiller président yo mettez avec gouvernement qu'on y a dirigé DG la police Ramon Omil. Ou état-major la meya. Mettez avec eux tout ensemble. Je dis, hein, ça qui est là comme situation. Je dis, hein, ça qui a passé là dans le pays. Hein. L'éprouver à clé. Yeah. L'éprouver à clé que volonté pour étirer Haïti. Volonté pour résoudre ensemble problème qui gagne yo volonté al poko existe la kaimoun za yo volonté al poko existe la kaimoun za yo am ti bagay la clé volonté al poko existe la kaimoun za yo même ça veut dire si jodi an la pa gen volonté an volonté pour ta goumen pour ta permettre que yo goumen pour résoudre sa guerre là comme situation pas qu'on gagne pas gagne imaginez ça pourrait passer nèg va prêter la pédé parler dans radio dans la presse parler monter parler descendre parler courir parler de comprendre et pour un vrai problème non yo beaucoup attaquer non. Yeah. Vrai problème, non? OK. Il faut quoi attaquer? Yeah. Vrai problème, non? Problème insécurité, hein? Yo poko attaquer pendant ce temps c'est les mêmes qui c'est priorité hein. Yeah c'est lui qui c'est priorité et priorité et le plus important dans moment là avec yo c'est écrire ensemble des secteurs vous comprenez écrire ensemble des acteurs pour mander yo et voyez moun voyez présentant yo dans KEP. Vous comprenez? Vous représentez dans tel conseil, dans tel ci, dans tel ça. Alors que, l'orga de réalité, hein? L'orga de situation, hein? Ça qui a passé là, ça qui a enduré là,
ou seulement dit tout ah mon cher nous fait carré dans problème j'aime son je serviteur baguette dit ah nous fait carré dans problème yeah. Nous fait carré dans problème parce que plan nèg ça pas pour résoudre l'insécurité hein non plan nèg ça qui là c'est pas pour résoudre l'insécurité hein? Non ça pas plan yo ça c'est pas plan yo hmm? Penser à résoudre l'insécurité ça pas dans plan nèg yo du tout pas donc je dis hein on veut que nous garder bien je dis hein on veut que nous questionner et dit non que si c'est comme ça bagay ou braler si c'est comme ça que situation lui-même la présenter devant nous toutes une grande bagarre pour nous faire c'est garder façon c'est garder qui gens ensemble pour nous comment qu'une ca résoudre ensemble problème qui gagne là yo yeah. Garder ensemble garder qui gens qu'une capable résoudre ça qui gagne là comme situation insécurité est-ce que comprendre et si jodi si jodi an pa gen un effort ki fèt si jodi an pa genyen de aksyon konkrèt ki pose sin konprann pa gen de effort ki fèt pa gen de aksyon konkrèt ki pose OK ou san lè di tèt ou ke yeah ou san lè di tèt ou hey est-ce que nous loin pour sortir dans sa nye là ou dit moi nous pipré pour moi même moi nous loin ou tendez dans question scandale BNC bon ba, alors par contre comme je n'ai m'a dit quand juillet hein enquête ULCC yo t'es que pourtant des président président conseil administration BNC hein OK président conseil administration BNC hein yo t'es entendre OK yo te vraiment entendre yo là pour yo garder pour te carte des monsieur parce que il dit l'hypothèse accusation même le comme ça l'hypothèse de accusation sous trois conseillers qui c'est Smith Augustin Emmanuel Vertiller et puis lui Gérald Gilles bien que partisan c'est partisan lui Gérald Gilles et partisan c'est partisan bureau communication du Gérald Gilles de même bureau communication partisan Smith Augustin mettez sous Emmanuel Vertiller yo tout qualifié de un complot pour yo capable sale image conseiller présidentiel ça yo OK pour yo sale image conseiller présidentiel ça yo est-ce que vous comprenez sale image yo et c'est un plan qui visait tout pour yo crasser conseil présidentiel transition selon ça dit c'est un plan qui visait pour craser conseil présidentiel transition est-ce que c'est vrai m'pa konnen yeah est-ce que c'est vrai m'pa konnen mais c'est ça yo dit c'est un plan qui visait pour craser conseil OK conseil alors pour craser conseil présidentiel transition parce que avec trois conseillers que nous avons même quatre même parce que nous sommes récemment Liné Baltazar t'a même dit qu'on conseiller qui mettait pression là pour ben proche lui alors conseiller qui mettait pression pour ben pas connait si on bien deux monde proche lui passeport diplomatique qui pas gain rien pour avec question diplomatie pour t'a au moins pour t'a dit que pour t'a gain ça rilé un passeport diplomatique dans main et tellement pression antiraide OK tellement pression antiraide yo pas de le choix yo t'es obligé OK yo t'es obligé moun sa comme si yo t'es obligé bay moun sa ça rele passeport diplomatique je dis à m'le ken comprendre que situation plus que ça ça n'a pas gardé yo ça n'a pas vivre yo ça n'a pas tendé yo yo dépasser nous yeah yo dépasser nous yo vraiment dépasser nous donc si je dis là
nous pas fait un ensemble effort. Si jodi an là, ça que pays a vive là, nous pas comprendre faut nous goumen pour nous sortir la donne parce que il vraiment critique, il vraiment fait l'aide. C'est comprendre. Il fait l'aide en pile, ça qui a passé là. Ah oui, il vraiment fait l'aide. Et donc si Jean l'a passé là n'accepté il Jean l'a déroulé là n'accepté il ça montre que et ça dit que son situation que nous parlons nous pas comprendre ce là-dedans parce que si on t'a critiqué parce que pas oublier nèg yo fait de l'état on l'état des nèg a vinn dans l'état des femmes vinn dans l'état premier sac vinn dans tête li faut vinn faire l'argent. Faut comme si pas quel que soit moyen condition faut qu'il fait l'argent. Yeah. Pas quel que soit condition et moyen faut qu'il fait l'argent. Qui donc ça les gars femme nan mettre là yo prêt pour faire toute bagaille. Yeah. Yo prêt pour faire toute bagaille pour gagner l'argent pour faire l'argent. Il est prêt pour faire toute bagarre pour gagner l'argent. Parce que priorité yo c'est gagner l'argent. C'est gagner l'argent. C'est l'argent besoin gagner. C'est l'argent besoin faire. Donc je dis hein si que moun yo pas gardé vrai problème pour yo poser dans la dimension que vous devez poser là. On a ma ça arrivé. Ouais pour n'a fait plus que tant encore dans la situation que ni là pas jamais gain rien cap porter comme solution. Yeah. Pas jamais gain rien cap bail comme solution. Et vraiment c'est sous ça que nous là. Vraiment c'est sous ça que nous là. Route pour pas gagner un qui bail comme résultat. Route pour pas gagner un qui bail comme solution dans crise que Haïti trouvé là. C'est comprendre. Yeah. C'est sur ça que nous est là. Et je dis hein, m'blé que nous garder bien. M'blé que nous questionner. M'blé que nous fournir garder bien pour nous voir dans qui niveau que nous capable porter de résultat dans qui niveau nous capable porter de réponse avec situation que Haïti a connu là. Yeah. Porter de résultat, porter de réponse avec situation Haïti a connu là. Et si que nous pas vraiment gérer problème là dans dimension que nous doit gérer là. Si que nous pas garder problème là dans le niveau que nous devons garder là, nous prenons à la légère. Vous comprenez? Nous prenons à la légère, c'est comme si rien n'était, vous comprenez? Mais ça a bien fait mal. Parce que moi, oui, Haïti, que je dis, peut-être ni moi, ni vous n'avez parlé de la Sainte Journée, Désir Venesse n'a parlé de la Sainte Journée, Haïti, ça loin pour le libérer. Haïti, ça loin pour le libérer. Vraiment loin. Vraiment loin. Vraiment loin. Parce que je dis, hein, ça que je veux que chaque monde comprenne, je dis, hein, ça que je veux que chaque monde capable de questionner et garder, c'est dire, est-ce que nous voulons que le moment privé, que question et sécurité, problème posé dans la dimension de poser, hein? Question grand goût souffrance calamité yo poser dans dimension que doit poser hein ou dis-moi ce que les fin poser pour arriver attaquer yo pour arriver analyser yo pour arriver garder dans qui niveau qui vraiment gain de réponse gain de action qu'a poser. Yeah. Gain de réponse gain de action qu'a poser parce que là si que nous pas aller nan fond problème nan si que là ne pas entrer nan sac vrai cause là
ça qui explique que je dis hein, que Haïti pays nous a bloqué dans niveau ça. Ça qui explique que je dis hein, ça que n'a vive là, ça que n'a enduré là, ça que n'a connu là. Que poko capable gain une vraie réponse qui va avec lui. Il une vraie solution qui va avec lui. Qui ça qui la cause? Qui ça qui la cause? Mais moi dit bataille contre insécurité hein. Goumen contre insécurité hein. Bataille contre insécurité hein. Goumen contre insécurité hein. Lycée n'est pas seulement son bataille. Al déchouke nek armé yo. Al déchouke bandi a sapatio. Il pas seulement ça. Non. Il pas seulement ça, non? Il pas seulement ça. Il pas seulement ça. Laissez une bataille qui doit déclencher. Laissez une bataille qui doit vraiment déclencher côté que chaque haïtien et chaque monde a conscient, chaque monde a compris dimension ça gagne comme problème non, ça qui existait comme problème non, et là au gadel là au questionnel y a quoi nan niveau que au chaque capable jouer et partition yo an, yo chaque capable permettre que l'autre Haïti que nous a parlé là, l'autre Haïti que n'a prôné définitivement que le réel vraiment, définitivement que le possible vraiment, est-ce que vous comprenez? Yeah. Parce que l'autre Haïtien le possible de jodi, l'autre Haïtien le réel que de jodi. Est-ce que nous avons fait, est-ce que nous avons battu un pays sous goumen, nous avons goumen, nous avons mandé poste, nous avons mis pression sur le monde? Yeah. Nous avons goumen, nous avons battu, nous avons mis pression sur le monde? Est-ce que nous avons mis, est-ce que nous avons fait l'autre Haïtien sous base ça? Yeah. Est-ce que nous avons fait l'autre Haïtien sous base ça? M'ba quoi? M'ba quoi non? M'ba quoi nous avons fait l'autre Haïtien sous base ça? Et le fait que nous n'avons pas fait l'autre Haïtien sous base ça, ça m'a dit pour nous aller vraiment. Aller dans la racine. Racine problème. Aller là-dedans. Yeah. Racine problème, aller là-dedans. Et garder pour nous qui est-ce qui problème là. Est-ce que c'est peuple haïtien ou est-ce que c'est moun nou yo? Est-ce que c'est moun nou yo les soi-disant dirigeants nou yo? Mais moi-même m'a dit, moi m'a dit, c'est pas peuple haïtien problème nan, non, mais c'est d'abord moun qui passe comme dirigeant ou bien moun qui l'a comme dirigeant. Moun qui passe comme dirigeant yo et moun pays a konnen comme dirigeant yo. Et au problème nan. Parce que c'est eux-mêmes qui jodi an là, qui d'accord mettez ensemble, femme kou garçon, yo décide arranger tête yo, yo décide mettre tête yo en association, yo décide mettre tête yo en réseau criminel, réseau mafia, ok, pour yo voler, pour yo piller, pour yo détruire pays ça nan intérêt pa yo. Pour yo piller, pour yo voler, pour yo détruire pays ça nan propre intérêt yo. Nan propre intérêt yo.
nan pa metere yo. Et je dis, hein, quel que soit monde que li a, quel que soit acteur secteur que li a, ou de capable engager. Yeah. Ou doit engager pour l'autre haïtien. Ou doit prendre responsabilité ou dans l'autre haïtien. Ou doit comprendre que l'autre haïtien pour tout. Yeah. L'autre haïtien pour nous toutes. L'autre haïtien possible pour nous toutes. C'est nous tous qui pour contribuer. C'est nous tous qui pour engager nous. C'est nous tous qui pour mettre main ensemble. C'est nous tous qui pour comprendre que les nous fin mettre main ensemble pour l'autre haïtien n'a parlé n'a prôné les ça n'a vraiment dit non que nous t'aimer nos batailles et bataille que nous t'aimer néan pour changement haïtien. OK. OK. Je dis hein. Nous t'aimer que chaque monde comprenne, analyser et garder dimension problème qui gagne là. Questionner, analyser et garder dimension problème qui est là. Moi même toujours dis que en nous coller les épaules, en nous roumer, en nous bataille pour que l'autre Haïti n'a pas les hein? L'autre Haïti que nous souhaitons, hein? L'autre Haïti n'a pas goumé pour lui, hein? Pour nous vraiment goumé pour rendre que les pays effondrés avec nous tous. Parce que moi toujours dis que en pile dans diaspora haïtienne yo, yo ke volonté, yo vle rentrer la caillou. Yo vle retourner la alors, pas retourner à vivre la caillou en pile non, mais peut-être retourner à visiter à leur famille yo, à leur moun yo ki ont des années que yo pa jam wè. Soit madame petite yo, soit mari petite yo, soit maman, papa, frère, sœur, cousin, cousine, nièce, on zanmi yo. Ou di moins tout. Yo envie retourner pour aller dans la cour yo. Y envie retourner pour aller garder sa gagnant parce que yo gen longtemps qui était habitation yo. Yo gen longtemps qui était démembré yo. Yo gen longtemps qui était ensemble espace que c'est là où fait et là où grandi. Mais jodi an là depuis des années plusieurs années là c'est l'espace qui est abandonné. Yo ta remé font se retourner la caillou. Yo ta remé font retourner dans habitation yo. Yeah. Yo ta remé retourner dans habitation yo. Parce que jodi an la caille c'est la caille et habitation que nous connaît déjà en pile dans nous. En pile dans nous. En pile dans nous qui parlait d'habitation nous. Parler de ça nous-mêmes, nous songer. OK? Côté une sortie, c'est vraiment, nous t'a dit que Fanta retourne. Nous t'a dit vraiment, Fanta retourne à l'en soucio, à le chercher, à le garder, à le fournir. Pour nous que pays ça qui nous quitte bien des temps pays ça vraiment qui abandonné côté une sortie hein. OK côté une sortie côté que le corps de notre enterré jodi jusqu'à présent côté ça yo ou envie retourner, ou envie aller dans sous là, ou envie aller garder, ou envie tourner à vivre bel moment ça yo. Mais Jean Bagalan pralé l'âme de Joudil. Jean que situation pays a déroulé là. On va voir conseil aucun haïtien.
Parce que si tout n'a pas gagné la paix qui établit dans le pays, si pas gagné sécurité qui établit dans le pays, on m'a dit me sauver. On fait me comprendre sauver. Si pas gagné ça qui établit dans le pays, sécurité, la paix, tout bagage qui établit dans le pays. Et on m'a levé me faire comme mon autre bagage que changement haïtien très loin. Et si je dis en là en pile nan nou a poser question et a mandé qui est Haïti a libéré a poser question a mandé qui est pays ça a sorti dans sa li là OK parce que même nous même qui là moi même tout me sorti ma bout par rapport avec situation insécurité gain là. Yeah. Ça ti ma bout que avec question insécurité qui gain là dans pays d'Haïti. Et jodi an mon ka dit que si un moun ta va dim que pays d'Haïti je dis hein, par rapport avec ensemble de situations que la connaît là par rapport avec ça la vivre comme réalité là faut nous d'accord faut nous accepter pour que faut nous accepter que nous devons gommer nous devons bataille ensemble pour nous dans quelle dimension que ensemble nous prenons le gourmet, ensemble nous prenons la bataille pour nous arriver dans résoudre la bataille pour permettre que ensemble problème Haïti à vivre là yo problème qui date bien des années là dans pays hein. Et en pile là nous sans se perdre espoir à ces femmes dit bagarre la clé en pile là nous perdre espoir de comme si à poser tête nos questions. Est-ce que Haïti lui-même a bon? Yeah. Est-ce que ça n'a pas gardé là? Comme si nous disons, nous a pas gagné espoir pour lui. Yeah. Nous disons, nous pas gagné espoir pour lui. Alors est-ce que pas vrai non? Alors est-ce que pas vrai? Gagné espoir pour Haïti non? Hein? Mm-hmm. Mais pas gagné volonté? Gagné espoir mais pas gagné volonté? Pas gagné volonté? Ça fait demander avec chaque grain secteur, chaque grain acteur, engagez-nous pour que nous collions les épaules et permettre que l'autre Haïti est possible et l'autre Haïti est réel.